Tout le monde s'accorde à dire que la grossesse et l'arrivée d'un enfant sont un bouleversement pour les futures mamans. Pour autant, la maternité a toujours été décrite comme synonyme de plénitude et de bonheur. Fortes de ces croyances, les femmes se construisent souvent avec une vision idéalisée de la maternité dans laquelle elles doivent être irréprochables. Au fond, c'est seulement une envie d'être parfaite pour être vue, pour être reconnue, pour écraser les autres, enfin pour être la meilleure. Je veux pas être une bonne mère, je veux être la meilleure mère. Nombreuses sont celles qui découvrent brutalement que la maternité a aussi son lot de souffrances et de désillusions. Du tabou des fausses couches à l'inavouable rejet de son enfant, les mères sont parfois confrontées à des épreuves dont elles n'osent pas parler par peur d'être jugées et critiquées. Devenir maman, c'est chouette, mais c'est rude, c'est vraiment rude. Face aux injonctions et au silence pesant, des mères se retrouvent démunies quand la maternité ne se passe pas comme prévu. J'ai décidé d'aller à leur rencontre pour donner la parole à ces femmes sur un sujet où l'angélisme a longtemps été de rigueur. Parce qu'elles ont culpabilisé de ne pas s'épanouir, elles ont décidé aujourd'hui de briser les tabous pour parler des épreuves de la maternité. C'est que du bonheur, on entend ça partout. Mais oui. Être parent, c'est que du bonheur, mais il n'y a rien de plus faux que cette affirmation. Allez, on y va ? Élevée dans un modèle familial où les femmes s'occupaient du foyer et dans lequel les hommes étaient absents, Sabrina a eu la responsabilité à 15 ans des 10 enfants de sa sœur. Privée d'adolescence, elle s'est construite en refusant d'être mère. Quand finalement, à 32 ans, décidée à fonder une famille, Sabrina est enceinte, les traumatismes de son enfance refont surface et elle doit alors faire face à une longue dépression prénatale. J'ai peur de tout, j'ai que des idées noires, je me sens pas bien, constamment pas bien. Je suis tout le temps triste, je pleure tout le temps et je n'arrive pas en fait à voir le positif et à être heureuse en fait. J'avais l'impression d'être un château de cartes et je m'effondrais. Émilie a vécu 3 fausses couches éprouvantes physiquement et psychologiquement avant de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à avoir de deuxième enfant. Un parcours de combattant qu'elle a vécu dans le silence, même face à la brutalité d'un milieu médical qui niait ses souffrances. J'étais avec le radiologue, il m'ausculte, et là, il me dit « Bon, bah, oui, le cœur s'est arrêté, bon, bah, c'est classique. De toute façon, vous vous y attendiez, hein, c'est pour ça que vous veniez, donc on va pas en faire tout un fromage. Voilà. Allez, madame, bonne soirée, au revoir. » Pour Julie, c'est à l'arrivée de son deuxième enfant qu'elle a perdu tous ses repères. Incapable de s'attacher à ce nouveau bébé, elle est allée jusqu'à rejeter tour à tour ses deux enfants sans en comprendre les raisons profondes. On m'avait toujours dit, tu vas voir, quand t'as deux enfants, c'est pas ton cœur qui se sépare en plusieurs, il fait que grossir et c'est toujours l'amour en plus, l'amour en plus, l'amour en plus. Et moi j'avais ce truc-là en tête et je me disais, mais comment ça se fait que moi j'ai l'impression que pour en aimer un, il faut que je rejette l'autre. Comprendre d'où vient la pression sociale exercée sur les mères, c'est d'abord à Millau, dans l'Aveyron, que je vais retrouver Jessica. Et comment vous faites là chez papa pour les devoirs? S'il y a Diego et Margot, vous allez les faire quand? Ben, on pensait les faire... Pendant des années, cette mère de famille de 35 ans s'est jetée à corps perdu dans le rôle de la mère parfaite. J'ai bien du gâteau au chocolat. Attends, il reste deux parts. Juste une petite part. Oui. Tu veux plus du pain au lait? T'en veux plus? Non. Si. Conditionnée à être une Wonder Woman, elle ne vit alors sa maternité qu'à travers le regard des autres et de l'image qu'elle renvoie. Seulement, à force de tout vouloir contrôler, Jessica s'est oubliée et a sombré dans un burn-out maternel. Jessica. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. On est en pleine séance de dessin. Exactement. Et qu'est-ce qui dessine le mieux? C'est Camille. Ah non. C'est moi. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est très joli. Même si elle n'a qu'un frère, Jessica a toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Alors à 16 ans, elle quitte ses parents, rencontre le futur père de ses 4 enfants et à l'aube de ses 18 ans,
accouche de Leilou, son aîné. Toi, t'es trop fort. Oui, c'est moi, oui. Et elle va se faire manger par un tigre. Si avec ce premier enfant, tout est fluide et naturel, c'est à la naissance de Gabin, 4 ans plus tard, que Jessica s'enferme dans le rôle de la mère parfaite. J'ai commencé à lire, à me poser des questions et à intellectualiser la maternité. Et je me suis reconnue dans le maternage proximal, ça m'a beaucoup plu, c'était tout nouveau, on était en 2006. Qu'est-ce que le maternage proximal ? C'est une façon d'élever ses enfants depuis le début, dès la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, bas âge, qui est très proche de leurs besoins physiologiques. Ça se traduit par quoi, par exemple ce... Je décide d'accoucher à domicile. D'accord. Pour qu'ils soient accueillis de la façon la plus physiologique possible, dans l'intimité de notre foyer. Je décide de l'allaiter jusqu'au sevrage naturel, c'est-à-dire jusqu'à ce que lui décide. Donc j'ai un minimum, c'est minimum 2 ans. Vraiment ça, c'est essentiel pour moi à l'époque. Et puis ça devient petit à petit des principes éducatifs. Et donc, comme je crois avoir trouvé ce qu'il y a de meilleur pour mes enfants, je me mets à vouloir répandre la bonne parole. Je me mets à juger aussi les autres mères. Je me mets à me sentir aussi un peu supérieure, parce que moi, j'ai tout compris. Moi, je suis celle qui dit « Ah non, mais chaque femme fait comme elle veut. » Mais moi, j'ai choisi d'allaiter. À quoi ressemble une journée type de la maman parfaite, en fait ? Je me lève le matin, je fais des crêpes pour mes enfants, ça je l'ai fait pendant des années. Pourquoi ne pas leur faire une tartine ou des céréales comme tout le monde ? Non, moi je fais des crêpes. Voilà, je fais des crêpes. Je ne mets jamais mes enfants en garderie, j'évite de les mettre à la cantine parce qu'il faut qu'ils mangent équilibré tout le temps, bio, puis pas de produits laitiers, pas de gluten, pas de machin. On fait attention à tout, pas de sucre, je vois des poisons partout, pas d'écran, le moins possible. Je ne parle que de ça, je ne fais que ça, je ne m'intéresse qu'à ça. C'est mon seul centre d'intérêt, je me suis coupée de tout le reste. Je ne sais même pas si autre chose pourrait me plaire dans la vie. Je ne m'intéresse qu'à ça. À quoi cela répondait-il, en fait, à votre avis, comme ça, avec du recul ? Je crois que là où je me positionne, sincèrement, c'est je veux faire un peu comme ma mère, mais mieux. Ouais. Ma mère, elle a toujours dit, j'ai eu le déclic pour manger, j'ai commencé à manger bio quand j'étais enceinte de Jessica. Ça a été mon petit bébé bio. Moi, j'étais le petit bébé bio de ma mère. J'ai souvent entendu le dire. Et moi, du coup, j'accouche à la maison, j'allaite longtemps mes enfants, je fais comme elle, mais mieux. Voilà. Vous décidez en 2010 de remettre un enfant en route. Oui. Et c'est là que vous allez tomber enceinte des jumelles. Oui. Je rêvais d'avoir des jumeaux pour chaque grossesse. Donc là, c'est un rêve qui se réalise, vraiment. Du coup, je rentre à la maison avec 4 enfants. Et je veux répondre aux besoins spécifiques de chacun de mes enfants. Donc à ce moment-là, j'allaite, je pense, au moins 25 fois par jour, pas en même temps puisque je veux respecter le rythme de chacune. Donc il y a une dette de sommeil qui commence à s'installer, en sachant que Gabin ne faisait toujours pas ses nuits à la naissance de ses sœurs, donc j'ai 3 enfants qui se réveillent. Je veux accompagner Leilou, que pour elle ça ne change rien d'avoir tous ses frères et sœurs, donc je veux qu'elle continue ses activités extrascolaires, donc je fais tout ça. Et en sachant que le papa travaille en horaire décalé, donc je suis souvent seule avec les enfants pour les coucher ou pour les lever, donc les moments qui sont un petit peu chauds à gérer quand même. Et je gère ça avec un sourire. Voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et tout le monde me dit, mais ça va, t'es pas fatiguée. Et ça, j'adore, je suis accro à ça. J'adore quand on me dit, oh, mais comment fait-elle ? Oui. Alors ça, c'est trop bon. C'est ça qui me nourrit à ce moment-là. Ah, oui. Elle fait tout pour ses enfants, elle est trop forte. Elle est trop forte. Oui. Voilà. Mais sous le vernis se cache une réalité bien plus sombre. Les jumelles pleurent énormément et l'allaitement épuise Jessica qui ne dort quasiment plus. Pourtant, la jeune maman refuse de changer son mode de vie et son rythme effréné. Cette période-là, c'est... je suis dans le déni. Vraiment, le déni de ma fatigue, il n'y a pas d'autre mot, parce que même dans mes souvenirs, je ne me souviens pas d'avoir des ras-le-bol, d'être fatiguée. Je me souviens que j'avais moins de patience avec les aînés.
je commençais à, voilà, ça m'arrivait de me fâcher, d'être très, 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 très loin de la communication non violente, ouais. Voilà. Et là, il fallait qu'ils mettent leurs chaussures quand je leur disais de mettre leurs chaussures, quoi. Mais même ça, du coup, à chaque fois, c'est un sentiment d'échec parce que je me sens nulle, voilà, parce que je peux pas tout faire. D'accord. Alors, il y a deux bébés, ouais. Vos jumelles, il y a Laïlou, oui. Il y a Gabin. Qui ont 8 et 4 ans à l'époque. Qui ont 8 et 4 ans. Alors. À quoi ressemblent vos journées? C'est très physique en fait. Je change des couches, j'allaite. Ouais. Et après, le peu de temps qu'il y a, je passe à préparer un repas. Vous avez basculé maman écolo aussi à un moment. Ouais, parce que du coup, je lave les couches des filles, donc les couches de deux bébés. Ça prend un temps fou et ça s'arrête jamais en fait. Pour gagner du temps, je me coupe les cheveux à la tondeuse à cette époque. Donc du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Mais j'ai jamais été une maman de jogging non plus, quoi. Voilà, j'ai jamais basculé à ce point-là. Alors, les heures de sommeil ont commencé à vous manquer cruellement. Mm-hmm. Et ça s'est traduit obligatoirement par un fléchissement de votre part. Comment ça a commencé? Ça a commencé par un malaise un soir. J'étais en train de changer la couche de Violette. Les filles avaient 3 mois. Ma vue s'est brouillée, comme un début de migraine ophtalmique, mais avec des sensations dans le corps aussi. Vraiment, le corps qui faiblit d'un seul coup. Et donc, un malaise sans aller jusqu'à l'évanouissement. Mais j'ai très, très peur de perdre le contrôle de mon corps, là, d'un coup. Et Laïlou est partie chez le voisin pour appeler les pompiers, qui m'ont amenée aux urgences et on m'a libérée quelques heures plus tard avec une ordonnance de magnésium en me disant que c'était tout à fait normal d'être fatiguée. Vous avez expliqué à l'hôpital que vous fabriquiez 1 litre de lait par jour, que vous ne dormiez presque pas, que vos jumelles pleuraient en permanence. C'est quelque chose que vous leur avez dit, oui, ça? Oui, je leur ai dit que j'avais 4 enfants. Je leur ai pas dit mes jumelles pleurent. Enfin, je leur ai dit j'ai 4 enfants. Mais j'ai à l'hôpital, j'ai fait. Maman, j'avais repris un encore. Petit peu. Oui, encore, ouais. Complètement, d'accord. Complètement. Vous n'avez aucune conscience que le burn-out est en train de s'installer là. Non, moment. Là c'est le déni total. Le déni total. Donc, oui, complètement. Je continue. Je ne change rien. Malgré cette première alerte et son couple qui commence à battre de l'aile, Jessica, omnubilée par le regard des autres, se rajoute une charge supplémentaire en reprenant le restaurant de ses parents. Elle y travaille avec Charlotte, qu'elle a connue à l'école de sa fille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour Charlotte. Ça va? Charlotte a été témoin de la lente descente aux enfers de son amie. Elle a assisté aux nombreuses crises de Jessica qui, épuisée, a somatisé pendant des mois, allant jusqu'à développer des symptômes physiques surprenants. Ça a commencé par une rage de dents, enfin j'ai cru, et des grosses douleurs dans la mâchoire, puis le crâne, et puis ça a duré et ça ne s'arrêtait jamais, quoi. J'avais tout le temps mal, tu te rappelles, j'étais inquiète en permanence parce que je croyais démarrer une migraine. L'impression d'être éblouie tout le temps, tout le temps. À l'époque, ouais, j'étais complètement démunie, quoi. J'avais l'impression que mon corps me lâchait complètement. Et c'est lourd, c'est quotidien. C'est quotidien à cette époque-là. Si j'allais aux toilettes et que je constatais que j'avais un hématome sur la cuisse, je faisais une crise d'angoisse. D'accord. J'avais du mal à croire que ça soit que le résultat de la fatigue. C'était trop intense, quoi. Quel regard vous portiez justement, Charlotte, sur votre amie à ce moment-là? Je sais pas, elle s'enfonçait tout le temps un peu. Elle cherchait tout le temps où ça allait pas bien pour... Enfin, c'est un peu ça, je... Mais je le cherchais. Dès que tu as commencé à aller un peu pas trop mal, hop, tu retrouvais un truc sur lequel, ah ben non, mais ça, ça va pas, et puis ça va pas. Puis là, je suis pas bien, et puis là, j'ai mal là, et puis je vais mourir. Enfin, ça allait jamais. Et puis je pleure, ouais. Et puis j'ai plus envie. Puis c'est la dépression. De toute façon, je suis pas heureuse, quoi. Je peux, j'essaye de fonctionner, mais je respire pas le bonheur, quoi. Non. Pendant que je le vis, je dis pas, je suis en train de faire un burn-out. Jamais, à aucun moment. Là, c'était le moment où je me retrouvais piégée dans un piège dans lequel je m'étais mise toute seule. Et Charlotte, en fait, elle me remettait un petit peu les pieds sur terre. Pourquoi tu fais ça, en fait, là? Parce que si t'es parfait, les enfants, ça les angoisse, en fait. Oui, enfin, ça, une fois, c'est ce qu'on m'a expliqué, que les parents qui voulaient être tout le temps parfaits, ben, pour les enfants, c'était l'angoisse, parce que
Bah, ça leur mettait trop la pression, quoi. Et qu'on avait le droit de pas être parfait, que c'était normal, en fait. Mm-hmm. Bah, le jour où j'ai compris ça, moi, ça a été vachement plus simple. Ouais, ça soulage. Ah ouais, j'ai dit, ah ouais, c'est super, c'est ça que je veux faire. Si se livrer à son ami a été une première étape vers la guérison, c'est en entamant une thérapie que Jessica a pu poser un diagnostic de surmenage maternel. Un syndrome d'épuisement dont souffrent beaucoup de mères de famille en silence. Mais l'état dépressif peut se manifester beaucoup plus tôt dans la maternité, au moment même de la grossesse. On appelle ça la dépression prénatale et elle toucherait 13% des femmes. Une réalité méconnue et taboue, car être enceinte est censé procurer joie et sentiment d'accomplissement. Comment il fait le camion poubelle ? Sabrina est née et a grandi à La Réunion, entourée de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante et de sa sœur. Une famille matriarcale où les hommes étaient totalement absents. Pour nourrir les 10 enfants de la maison, toutes se sont épuisées au travail. En grandissant avec le modèle de ces femmes fortes qui ne se plaignaient jamais, Sabrina a intégré l'idée qu'elle devait assurer sur tous les fronts. Allez, boum, body. On fera le massage des pieds après. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette enfance et de cette adolescence dans ce milieu de femmes ? Bah, c'est moi la femme, c'est moi qui gère. D'accord. C'est moi qui tiens les rênes, quoi. Pour ma mère, on n'a pas besoin d'eux dans notre vie au quotidien, quoi. Donc, voilà, voilà. Vous n'avez jamais trop connu votre père. Voilà, c'est ça. En fait, je l'ai connu sans vraiment le connaître. Il était là, mais sans vraiment être là, quoi. C'est assez particulier parce qu'il a eu beaucoup d'autres enfants, je ne sais pas trop combien, de plusieurs autres femmes différentes. Donc, du coup, je le voyais. Les gens savaient que c'était mon père, mais sans plus, en fait. Donc, il n'y a pas eu de relation à proprement parler de père à fille, quoi. Votre sœur a eu 10 enfants. Oui. Est-ce que ça a influé votre ligne de vie à vous, votre direction ? Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, ma sœur, elle a eu ses 3 premiers enfants. Après, elle est partie et elle les a laissés en fait avec nous, avec ma mère et moi et ma cousine, du coup, qui était assez présente. Et je me suis retrouvée, je pense que j'avais 15 ans. 16 ans, à m'occuper en fait des enfants, le week-end, de mes neveux-nièces. Je les adore, hein, franchement, je les adore. Je les ai élevés pendant un bon bout de chemin, jusqu'à à peu près mes 20 ans, donc avant que je parte et que je vienne ici. Les roues du tractopelle font croui, croui, croui. Donc du coup, c'était un peu de l'automatisme, hein, changer les couches, faire des biberons, donner à manger, les changer pour l'école, faire les devoirs. Donc j'étais un peu la maîtresse aussi. Donc ça a été dur parce que j'avais l'impression qu'on me coupait en fait de toute mon adolescence, de toute cette partie en fait où je dois profiter. Parce que pour moi, tout ça, c'était fini. Donc pour moi, ça a été aussi frustrant parce que je me suis en fait retrouvée à m'occuper des enfants alors que je ne l'avais pas choisi. Et du coup, j'avais, enfin, à ce moment-là, pas envie de ça. Et j'ai fait un rejet global et total en fait des enfants. Et j'ai rencontré mon mari juste avant de venir ici. Je pense que je devais avoir 20 ans. Donc on a pris bien 15 ans pour faire un enfant, quoi. Oui, ça a influé, quoi. Parce qu'elle refuse de reproduire le schéma familial, lorsque Sabrina rencontre Jonathan à 20 ans, elle lui avoue très vite ne pas vouloir être mère. Après 10 ans de relation, le couple décide de se marier. Une première étape très engageante pour cette jeune femme qui s'est construite sans repère masculin. Après le mariage, Jonathan exprime un désir de paternité et convainc Sabrina de se lancer. Mais le couple essaie pendant 2 ans sans succès. Regarde, il y a déjà des petits bourgeons. Avec du recul, comme ça, vous pensez que déjà vous nourrissiez
un blocage, quelque chose qui faisait que vous aviez du mal à tomber enceinte? Je sais pas, je pense qu'il y avait de l'appréhension, il y avait quand même beaucoup de pression autour de la famille, les amis, les collègues, parce que du coup, ça faisait 5 ans en fait qu'on était mariés. Ah, vous avez toujours pas d'enfants, il faudrait bien aussi mettre quoi. Ouais, enfin oui, bah, en fait, ouais, non. C'est la famille, c'est bon. Bon, maintenant, on est mariés, c'est étape suivante. Et c'est l'étape suivante. C'est pas un marathon, c'est pas des kilomètres, non, non. Step by step. Donc au bout d'un moment, en fait, vu qu'on avait commencé à s'y mettre et que ça devenait compliqué en fait de tomber enceinte, en fait, c'était un sujet que je ne voulais plus aborder parce que en fait, ma mère elle me demandait tout le temps, alors c'est pour quand? Enfin non, stop. Et donc du coup, pareil au travail, donc j'ai atteint un certain âge, donc elle est mariée, bah va peut-être nous faire un enfant quoi. Donc au bout d'un moment, en fait, on est obligé de mentir et de dire bah j'en veux pas. Mm-hmm. Tu pourras écraser l'ail et le gingembre, s'il te plaît. Vous dites que vous avez eu ce bébé un mois après avoir baissé les bras. Ouais, c'est ça, je pense bien un mois, deux mois après, quoi. On était résignés à passer les tests de fertilité. D'accord. Et du coup, peut-être à se faire accompagner par... Entamer une FIV, éventuellement. Ouais, de se faire accompagner, quoi. Mm-hmm. Alors, vous baissez les bras, mais... Il y a quelque part... Il a décidé que c'était le moment, donc voilà, il a décidé, on va dire ça. Et comment vous êtes au courant, en fait? Vous faites un test de grossesse vous... Oui, j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais un peu de retard. Mm-hmm. Et donc, en fait, quand il y a le plus, je sais pas, j'ai pas senti ce sentiment de joie intense, quoi. Et là, franchement, j'ai vraiment fait ça. Je sais pas. C'est notre pression qui a été. Là, j'avais une espèce de boule dans la gorge, j'avais des bouffées de chaleur, j'étais pas bien, enfin, j'étais dans la salle de bain, toi t'étais dans la cuisine de mémoire. Ben, j'étais en train de faire à manger, comme d'habitude. Et puis elle arrive, derrière moi, et elle met le test comme ça devant mes yeux. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, mais c'est un plus. Je lui dis, oui, c'est un plus. Et? Mais ça veut dire quoi? Mais je suis enceinte. Ah, je dis ok, c'est comme ça que t'as l'air, c'est ton mari qui est enceinte. Oui, je me rappelle pas parce que j'ai l'impression en fait que c'est juste tellement pas moi de faire ce genre de choses en fait. Mais je pense que concrètement j'ai fait un blackout total parce que c'est pas. Dans la panique déjà. Ouais, peut-être. Pense que c'est la panique. Comment est-ce que vous avez démarré cette grossesse? Dans quel état d'esprit? J'ai vécu deux mois où c'était assez sympa, quoi. Mmh. J'étais à fond. Je faisais du vélo encore. Je faisais du vélo. Enfin, franchement, j'étais en mode, mais non, mais la grossesse, c'est pas un frein. Donc, je peux tout faire. Je peux aller travailler normalement. Mais franchement, hein, j'étais mais à fond, quoi. J'ai fait une randonnée à raquettes en janvier avec mes collègues à la montagne, donc pendant un team building. Ils étaient en mode, mais t'es enceinte et tout, vas-y doucement. Et moi, je disais, mais non, tout va bien. Et pour vous, Jonathan, elle prenait trop de risques Après, ça, c'est dans sa mentalité d'être vaillante, d'être une girl power, c'est dans sa mentalité aussi. Là-dessus, je lui en veux pas, ça fait partie de ses qualités. Et là, elle était enceinte. Là, elle était enceinte. Et après, comme tout à chacun, on se documente, on regarde un peu les différents reportages. Et puis, on voit qu'une suractivité pour une femme qui est enceinte, enfin physique du moins, ouais. C'est un peu... On demande de lever un peu le pied, notamment sur les à-coups ou autre. Les risques sont multipliés par deux. Ouais. Moi, c'est une inquiétude qui s'est vraiment installée. Ouais, je pense que vers mars-avril, tu as commencé à me dire que je mettais peut-être en danger ma vie et celle du bébé. Quoi. Ouais. Et donc ça, vraiment, je ne l'ai pas apprécié. Ouais. Moi, je voulais vivre ma vie. Quoi. Donc, que ce n'était pas un frein, que tout était normal, que j'étais normale. Quoi. Donc, Mais le passé va rattraper Sabrina quelques semaines après le début de sa grossesse. Lors d'une consultation chez son gynécologue, elle apprend qu'elle souffre de diabète gestationnel et qu'elle doit passer sous insuline. Une maladie héréditaire qui lui rappelle de très mauvais souvenirs. Ma mère, elle est sous diabète médicamenteux et mon père était sous diabète insuline en fait. Mmh. Et est décédé aussi à cause de ça, donc amputation, etc. Enfin, c'était pas forcément... des très bons souvenirs, en fait. Ça évoquait pas, en fait, des bons souvenirs, en tout cas en moi, quoi. Ouais, votre père a été amputé des deux pieds. Ouais. Donc, c'est sans doute cette image-là qui remonte à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est la peur de perdre mon bébé, ouais. Aussi bien in utero qu'après, enfin, compte tenu de mon passé. Mais il n'y a plus aucune rationalité, hein. Mais plus du tout, quoi. Ouais. Du coup, quand on m'a annoncé qu'on passait sous... insuline et qu'on devait m'hospitaliser, en fait, pour moi, c'était le début de ma longue descente aux enfers.
elle est faite de quoi, cette descente aux enfers? Vous perdez confiance en tout? Vous avez peur de quoi? J'ai peur de tout, j'ai que des idées noires, je me sens pas bien, constamment pas bien. Je suis tout le temps triste, je pleure tout le temps. Et je n'arrive pas en fait à voir le positif et à être heureuse. Est-ce que c'était cette image de la femme forte que vous deviez être absolument qui tout à qui s'effondrait en fait, ouais, ouais. Qui s'effondrait. En fait, j'avais l'impression d'être un château de cartes. Et je m'effondrais en fait. Donc, et je me disais, mais c'est pas normal, donc je devrais pas être comme ça. Et je ne voulais pas en parler parce que j'allais passer en fait pour quelqu'un de faible. C'était ça, ne surtout pas passer pour quelqu'un qui puisse avoir des faiblesses. Tout à fait. Je me dis, mais en tout temps, les femmes, elles ont réussi, elles ont surmonté, pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Et ça, vous n'en parlez pas du tout à votre mari? Pas du tout. Peter, il se rend au village en fin de journée. Pour moi, une femme, elle devait pouvoir tout mener de front, sans avoir besoin, en fait, de l'aide de qui que ce soit, quoi. Et est-ce que vous aviez des angoisses par rapport aussi à la projection d'être à trois? Ça me faisait peur en fait, parce que du coup, j'avais jamais eu de modèle où il y avait une relation en fait du papa et de la maman et une certaine harmonie en fait. Et moi, c'était la femme qui gérait tout. Donc je me suis dit, mais comment je vais pouvoir en fait laisser suffisamment de place à mon mari? Comment on va trouver notre place? Et en fait, j'y arrivais pas quoi. J'arrivais pas à me projeter, donc c'était compliqué. C'est au travail hein, que ces crises d'angoisse sont devenues le plus pesantes, c'est normal, puisque vous étiez dans le contrôle. Je me mettais en fait la pression pour essayer d'être parfaite au niveau du travail pour que ma grossesse en fait, elle ait aucun impact sur mon travail. Donc je faisais des horaires pas possibles, enfin, j'essayais de faire tout de front, quoi. Et des fois, j'arrivais plus à respirer, donc du coup, je sentais en fait que ça montait, qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de sortir. Et donc du coup, j'allais dans les toilettes et là, je pleurais, jusqu'à ce que ça se termine. Et il y a plusieurs reprises où je suis partie à la médecine du travail, il y a des infirmières, et je leur disais que là, j'étais fatiguée, que j'avais besoin de me reposer. En fait, j'y allais souvent. Et donc, c'est là en fait où le médecin du travail m'a dit que je pouvais pas continuer comme ça, qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, alors que en fait j'avais jamais parlé à qui que ce soit quoi. Vous cachiez un maximum à vos collègues tout ça. Oui, je voulais juste pas en parler quoi, parce que je voulais pas passer pour une faible quoi. Donc on doit rester tout seul avec sa douleur. On doit gérer. Sauf que vous ne gériez plus grand chose là. Non, plus du tout. À l'époque. Plus du tout. Parce qu'elle ne peut plus cacher son mal-être, son médecin conseille à Sabrina de consulter un psychologue. Car contrairement aux idées reçues, la maternité déclenche très souvent une fragilité émotionnelle et des sentiments contradictoires. Cet état de bouleversement et de remise en question touche aussi les femmes qui rencontrent des difficultés à être enceintes. Bichette. Où sommes-nous ? Demande Yoko. En Égypte, il y a plus de 2000 ans. Et lorsque l'enfant tarde à arriver, l'attente peut devenir une véritable obsession. C'est étrange, t'étonne Cléa. Cet endroit est désert. Émilie, que je vais rencontrer maintenant, a attendu 6 ans et a fait 3 fausses couches traumatisantes avant de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à avoir de deuxième enfant. Il faut que nous fassions quelque chose pour sauver Cléopâtre, crie Cléa dans le vent. Tout a commencé en 2012 lorsqu'Émilie et son mari Gaelig décident de donner une sœur ou un frère à leur première fille Agathe. À l'époque, ils ne se doutent pas du parcours long et douloureux qui les attend. Là, on s'est rendu compte que en fait, ça, c'était pas toujours aussi facile que ce que ça avait été pour Agathe. Du coup, il a fallu attendre à peu près 1 an et demi pour que je sois enceinte. Donc ça déjà, c'était plus difficile à vivre. Et puis, pour moi, une fois que j'ai été enceinte, j'ai été très contente et je pensais que ça se passerait comme pour Agathe, que tout serait parfait, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a dit aussi assez vite à l'entourage, que j'étais enceinte. Ce bébé, il faisait pleinement partie de la famille, en fait, déjà. 8 semaines plus tard, vous allez faire une échographie de contrôle. Voilà, c'est ça. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc là, j'y vais toute seule parce que c'était pas possible pour Gaëlique de venir.
Et puis elle fait l'échographie. Et là, elle me dit, le cœur du bébé s'est arrêté. Et quand elle me dit ça, moi, je sais pas, je bloque un peu. Enfin, je suis restée, j'y croyais pas vraiment. J'ai pas eu trop d'émotions à ce moment-là. C'était un peu bizarre. En fait, c'était brutal. Trop brusque. J'y croyais pas. Et en fait, alors moi, j'ai même pas encore réalisé que je vais pas avoir ce deuxième enfant. Et déjà, on parle de traitement pour l'enlever. Je suis pas prête à ça. Et puis en fait, en sortant de son bureau, j'ai appelé Gaëlig pour lui dire que le cœur s'était arrêté. Et puis là, je me suis mise à pleurer, forcément. Et je pense que je me suis rendu compte au moment de lui dire de ce qui se passait. Quelle est la réaction de votre mari, de Gaëlig? Est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Alors, il comprend. Après, il est moins dans l'émotion que moi. Il rationalise beaucoup et il me dit, c'est comme ça. Il y aura d'autres occasions. Et voilà. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir pour moi. Mmh. Est-ce qu'on vit ça comme, justement, une mort, un décès? Oui, il y avait un deuil à faire. Après, comme moi, je suis de nature à rebondir à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, là, je me suis dit, une fausse couche, ça arrive. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. À ce moment-là, je suis pressée, finalement. Parce que, en fait, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose de mort à l'intérieur de moi. Et là, j'ai besoin de retrouver mon corps et reprendre ma vie. Ouais. Attends. Mais avant cela, Émilie doit mettre fin à cette grossesse. Hop, je te découpe une bande blanche. Sa gynécologue lui prescrit un traitement médicamenteux, mais celui-ci échoue à deux reprises. Émilie doit alors attendre 2 semaines avant de subir un curetage, une opération chirurgicale consistant à extraire l'embryon. Là, c'était pas très bien fait parce que, en fait, la salle d'attente, c'était la salle d'attente des femmes qui venaient pour accoucher. Oh. Ouais. Donc voilà, j'étais là pour qu'ils m'enlèvent ce bébé mort et je voyais les femmes qui arrivaient pour avoir leur bébé. Donc, ouais. C'était pas agréable. Et là, vraiment, quand il a été enlevé, à ce moment-là, j'ai eu ma peine. Et j'ai pu reprendre ma vie et aussi me projeter sur un nouveau désir d'enfant. Voilà. Émilie a beau se projeter tout de suite dans une nouvelle grossesse, elle ne parvient pas à être enceinte. C'est en consultant une gynécologue spécialiste de l'infertilité qu'elle apprend qu'elle souffre d'un trouble hormonal. 6 mois après sa fausse couche, elle entame un traitement qui lui permet d'être à nouveau enceinte. Mais pour cette grossesse, Émilie a le sentiment que quelque chose ne va pas. Malgré une première échographie normale, elle demande un nouvel avis quelques jours plus tard. Alors donc j'arrive, en plus Gaëlig m'a accompagnée parce que là je voulais plus y aller toute seule. Et donc il avait Agathe aussi. Donc ils sont restés tous les deux dans la salle d'attente pendant que j'étais avec le radiologue, Imosculte. Et là, il me dit, le cœur s'est arrêté, c'est classique. De toute façon, vous vous y attendiez, hein, c'est pour ça que vous veniez, donc on ne va pas en faire tout un fromage. Voilà, allez madame, bonne soirée, au revoir. Voilà. Donc je me suis effondrée en larmes, ça a été tellement violent cette annonce. C'est une main incroyable. Ah, ça a été horrible. La manière de l'annoncer, c'était très violent. Et donc, je suis ressortie de son bureau en pleurs. Donc, on n'avait pas dit à Agathe que j'étais enceinte. Et donc, là, elle m'a vue en larmes. Elle était inquiète, en fait. Elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, j'avais un bébé dans mon ventre et il est mort. Et voilà, c'est pour ça que je suis triste.
Et là, elle m'a répondu, bah, tu sais, maman, c'est pas grave, il y en aura un autre. Et en fait, j'ai trouvé ça adorable, cette manière qu'elle avait de me parler toute simple. Ça m'a fait du bien, en fait, qu'elle me dise ça tout de suite. Et que je vois aussi que pour elle, c'était juste une grossesse qui s'arrêtait, mais que c'était pas son monde qui s'effondrait. Mmh, voilà. Mmh. Vous avez beaucoup plus culpabilisé la deuxième fois. Pourquoi ? Bah, le fait de se dire... En fait, je me dis, si j'en fais deux, c'est vraiment que le problème vient de moi. C'est vraiment que je fais quelque chose qui ne va pas. Alors, je réfléchissais en fait à tout ce que j'avais mangé, ce que j'avais fait, pour voir ce qui pouvait faire, que je ne pouvais pas garder un bébé. Quelles ont été les réactions de votre entourage par rapport à cette deuxième fausse couche? Je dirais à peu près pareil, mais par contre, dans mon ressenti à moi, ça devenait de plus en plus dur d'accepter les annonces de grossesse. J'allais moins voir du monde. J'avais du mal à me réjouir pour les grossesses des autres, alors qu'avant, vraiment, à chaque fois, je me réjouissais beaucoup. Bonjour, Lily. Bonjour, ça va? Oui. Est-ce que ça vous va si aujourd'hui on prend une image que je vous décris et vous me dites ce que vous comprenez ? D'accord. Bouleversée par ces deux échecs successifs, Émilie se renferme sur elle-même. C'est ici, dans son cabinet d'orthophoniste, qu'elle parvient peu à peu à reprendre pied. Je vois une femme qui bronze sur la plage. Bravo. Cette fois, elle se retrouve très vite enceinte et les premiers signes de grossesse sont encourageants. Un grand soulagement jusqu'à l'échographie du premier trimestre. Comme je suis très entière dans mon travail, eh ben, ça me permettait de penser à autre chose. Je pense que je suis un peu dans le déni de ma souffrance à ce moment-là. Vraiment, je ne m'écoute pas, je rebondis. Et pour moi, la grossesse future sera réparatrice et me permettra d'oublier en fait, un peu tout ça. En fait, les médecins m'avaient dit... Deux grossesses arrêtées, c'est possible dans les statistiques. Trois, par contre, c'est qu'il y a un problème qui vient du couple. Mmh. Et comme on avait eu Agathe sans difficulté, je me disais, bon, bah, de toute façon, nous, notre couple, il n'y a pas de problème pour avoir une grossesse. Et donc, bon, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, en fait, on est arrivé, on était très enjoués. Elle commence l'échographie et puis j'ai vu qu'elle s'arrêtait de parler. Là, j'ai senti que ça allait pas. Et puis elle était aussi embêtée que moi, enfin que nous en fait. Elle m'a dit, je suis désolée, le cœur s'est arrêté encore. Et je lui ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, pour moi, tout s'effondrait, quoi. C'était pas entendable. C'était pas... Ça me paraissait complètement irréel. Je me disais, mais je suis dans un mauvais rêve. Je voulais pas y croire, en fait. Donc, je rentre à la maison. Là, j'arrivais plus à être disponible pour ma fille. J'arrivais plus à rien, en fait. Là, je voulais juste m'enfermer, plus voir personne. Donc, j'ai eu l'intervention. Et puis, après l'intervention, j'ai... Bon, autant les autres fois, je me suis dit, je vais remonter, ça va aller, autant là, j'y arrivais pas. Je me sentais déboussolée, perdue. Gaelig, il était loin de moi. Enfin, vraiment, je me sentais seule dans ma douleur. Je lui en voulais de ne pas être aussi triste que moi. Et j'ai repris très vite le travail. Mais là, j'arrivais plus à donner le change. Et il y a eu une séance, 3 jours après ça, j'ai commencé à avoir des énormes douleurs, comme des douleurs, des contractions d'accouchement. Et là, en fait, j'ai fait une hémorragie au travail. J'ai appelé Gaëlle, je lui ai dit, viens me chercher en urgence, ça va pas. Il est arrivé, paniqué, il y avait Agathe, forcément, parce que c'était le soir. Et dans la voiture, elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Et moi, je criais de douleur. Elle m'a dit, tu vas mourir, maman, avec sa toute petite voix. Et moi, j'avais tellement, tellement mal physiquement. Je comprenais tellement plus ce qui m'arrivait. Je me suis dit, oui, peut-être. Enfin, là, c'est grave ce qui se passe.
c'est quoi tout ce parcours? Enfin, c'est quoi la suite? Parce que là... Et je me suis dit... Enfin, voilà, je me suis peut-être trop acharnée dans mon désir de deuxième enfant. Enfin, voilà, faut arrêter. Voilà. Peut-on dire qu'à ce moment-là, vous faites presque une croix sur ce deuxième enfant? Complètement. C'était un vrai désir d'enfant, mais pas au point de passer à côté de notre vie, en fait. Parce que là, finalement, ça faisait 3 ans, je pense, en tout, qu'on mettait notre vie présente, entre parenthèses. Et finalement, on ratait... Enfin, il y avait plein de moments dont on ne profitait pas pleinement à cause de tout ça. Donc, c'est bête aussi, en fait, sous prétexte d'un idéal de vie, de passer à côté de sa vie. En écoutant Émilie porter seule la responsabilité de ses fausses couches, je réalise combien les femmes sont mises en échec lorsque la maternité est compliquée ou contrariée. Peu écoutées et peu entendues, ces femmes voient leur désir d'être mère ou la parentalité se transformer en une véritable épreuve. Julie en fait partie. Elle a accepté avec courage de me raconter son expérience et de lever le voile sur un tabou dont on ne parle jamais, le rejet maternel. Avec lui, le sentiment d'être une mauvaise mère, l'incompréhension et la honte. Julie a 29 ans lorsqu'elle tombe enceinte pour la première fois. Issue d'une fratrie de 5 enfants, cette maternité à venir est vécue comme un accomplissement. Pour se consacrer à sa fille, elle va même jusqu'à abandonner son métier trop prenant de musicienne et démarre une activité de blogueuse parentale. Une nouvelle vie qui l'épanouit complètement. Quand Lou est arrivée, le fait d'avoir un bébé, d'accueillir cet enfant, ça a été incroyable pour moi. Je me suis découvert un côté mère louve que j'aurais jamais deviné. J'avais l'impression que je pouvais l'entendre dans mon sommeil, comme si j'étais connectée en fait à elle, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, jusqu'à la naissance de Marin, son frère, c'est vraiment rose en fait. Même si je suis fatiguée, tout est rose. Tout est super. J'adore. 18 mois après, vous retombez enceinte. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment prête à ce moment-là à retomber enceinte? Alors non. Je suis pas prête du tout parce que... Alors on discutait de faire un deuxième bébé, ouais. Mais pour nous c'était un peu tôt. Et parce qu'on s'était dit justement, on va attendre que Lou dorme. Et puis... Donc vous étiez très fatiguée quand même. J'étais épuisée. C'était un bébé qui dormait pas, donc j'étais dans un état de fatigue. J'étais dramatique, des fois je me levais 8 fois par nuit. Elle a dormi toute la nuit sans avoir besoin d'être aidée à un moment ou à un autre pour se rendormir à 5 ans et demi. Ah oui. Voilà. Et là, à l'annonce, le premier truc que je me suis dit, c'est « Ah, punaise, mais quand est-ce que je vais pouvoir redormir ?» C'est le premier truc que je me suis dit. D'emblée, j'ai eu peur de ne pas avoir l'énergie de m'occuper de cet enfant, d'être disponible pour l'autre enfant qui était là déjà. Et puis, je voyais en plus le couple, la maison et machin. Et votre compagnon vous accompagnait, il vous aidait un peu ? Alors, j'avais une charge mentale à l'époque qui était assez énorme. Et un jour, Lou a été malade. Et j'ai dit à son père, écoute, je voudrais que tu prennes un jour enfant malade parce que moi, là, je peux pas aujourd'hui. Et là, il me dit, ah, mais non, mais je peux pas prendre une journée, quoi. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, si moi, je peux pas me reposer, là, pendant cette grossesse, je lui ai dit, il est encore temps de tout arrêter. On était encore dans les semaines possibles IVG et tout. Donc déjà, même si je m'en rendais pas compte à ce moment-là, ça annonçait une bascule pour moi. Dans ma posture de mère, dans mon rôle de mère, puis surtout dans ma vie intérieure, qui était déjà assez alarmant, mais que je n'avais pas encore identifié. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans cette... J'arrive pas à faire de cette grossesse une bonne nouvelle. Je ne suis pas en déni, puisque je suis enceinte, je le sais, je me prépare à accueillir cet enfant, mais par contre, je ne ressens absolument rien. C'est le néant. Et en fait, ce sentiment-là, ce détachement, ne disparaît pas. Je me rends compte qu'il y a une énorme différence entre la façon dont je pense à mon fils et la façon dont je pensais à ma fille au même âge. C'est-à-dire que quand Lou avait l'âge de Marin, à savoir 15 jours, 3 semaines, je n'avais qu'une envie, c'était d'être au contact de ce bébé, en fait. Et là, Marin, bah, c'était pas du tout ça, quoi. Marin, je pouvais le laisser dans son transat,
Et puis voilà, me dire, ok, il est dans son transat, il est bien, bon, bah, c'est parfait, quoi. Et ça a été mon premier constat dramatique, c'était ça, de me dire qu'en fait, si je veux être bien avec un de mes deux enfants, j'ai besoin de rejeter l'autre. On m'avait dit, tu vas voir, plusieurs enfants, c'est incroyable. En fait, c'est pas le cœur qui se coupe en plus de parties, c'est qu'en fait, il se multiplie. L'amour se multiplie. Mes résultats, ah, bah, pas vraiment, comme ça que ça va se passer. C'était pas comme ça que ça se passait, non. En tout cas, pas pour moi. J'avais vraiment cette sensation-là, que j'avais enfermé ma capacité à aimer quelque part, qu'on avait jeté la clé et qu'il allait falloir que je me débrouille pour la retrouver. Déroutée par ce bébé pour lequel elle n'éprouve aucun sentiment, Julie se terre dans le silence en espérant que l'attachement se fera avec le temps. Mais très vite, les relations se dégradent aussi avec sa fille et la situation empire. Le co-allaitement et les nuits sans sommeil mettent à mal la résistance de Julie. Marin est né en juin et en septembre, j'étais arrêtée 6 mois pour épuisement. Donc j'étais au bout du bout du bout de ce que mon corps pouvait faire. J'avais perdu plus de 20 kilos. J'étais plus que l'ombre de moi-même à cette époque-là. Au même titre que vous l'avez fait avec Lou, l'allaitement de Marin, vous adaptez le même fonctionnement avec Marin. Ah ouais, complètement. Donc quand Marin naît, Lou n'est pas sevré, donc on opte pour un co-allaitement au début. Et au début ça se passe bien, et puis au bout de quelques semaines ça devient absolument horrible, absolument horrible. Et en fait, c'est les premières manifestations très fortes du rejet, elles sont là. C'est vraiment une réaction épidermique. Le contact de ma fille, est, je vais employer des mots durs, mais c'est abominable. Je ne supporte plus qu'elle me touche. Vraiment, qu'elle me sollicite, qu'elle me demande des choses, et je voudrais qu'elle disparaisse à ce stade. Je n'arrive pas à gérer, émotionnellement parlant, j'arrive pas à être là avec mon fils et ma fille. Et en fait, je pense que instinctivement, je m'occupe du petit parce que c'est le plus petit, et donc ben, l'aîné n'a plus de place du tout. Et ça va prendre des proportions énormes, puisqu'il y a même, un jour où je suis sur le canapé du salon et elle vient me voir, et la pauvre, elle est toute petite, quoi, elle a 2 ans et demi, quoi. Elle vient me voir et elle essaye de me parler. Et je lui laisse même pas le temps de parler, en fait. Et je la regarde et je lui dis, Lou, va-t'en. Je veux pas que tu me parles. Je veux pas te voir. Et je la revois me regarder comme ça et se tourner et partir. Et en fait, quand je raconte cette histoire, c'est toujours cette scène qui me fait pleurer parce que c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qui s'est passé. C'est ça, c'est cette petite fille qui s'en va. Et voilà, qui se demande pourquoi sa mère fait ça, quoi. Ouais, ouais. Et ça, en fait, ce qui est le plus dur, c'est de pas savoir combien de temps ça va la suivre. Mm-hmm. À quel point j'ai fait des blessures profondes ou pas trop. Ouais. Et ça, j'ai pas de prise dessus. Mais voilà. Vous dites que quelque chose s'est rompu avec Lou. Ah oui. C'est qu'après, en fait, elle osait plus venir me voir. D'accord. Elle avait sans doute, j'imagine, elle avait sans doute trop peur que ça recommence. Mm-hmm. Mais pour bien visualiser quand même jusqu'où c'est allé cette rupture de lien, je me souviens plusieurs fois avoir été obligée d'imaginer une scène où je la perdais, écrasée par une voiture. Enfin, j'étais obligée de projeter des scènes comme ça pour me rendre compte en fait. De comment mon cœur disait « Ah non, non, surtout pas, surtout pas !» Et là, je me disais « Ok, c'est bon, en fait, donc c'est pas un problème d'amour. Tu l'aimes. Il y a un truc qui fait que, pour le moment, c'est verrouillé, quoi. » C'est comme si ce sentiment était dans votre cœur, oui, mais qu'il n'arrivait plus à sortir. Le, comme un mur. Exactement, que vous, ouais, ne pouviez pas franchir. Il était enfermé très, très profond. Julie souffre de ce rejet inexplicable. Cette absence d'amour maternel, censée pourtant être innée, l'empêche de se confier, même à son compagnon. Leur relation se dégrade et la jeune femme s'isole de plus en plus, jusqu'à un soir où elle s'effondre complètement. Je suis en train de coucher Lou. Elle me demande une tétée donc le soir. Elle avait encore une tétée le soir. Et pendant cet été, en fait, elle touche constamment un grain de beauté que j'ai par là. Et moi, ça me fait une réaction d'aversion, quoi, un truc. Et donc, je la repousse, mais vraiment, je la repousse, quoi, physiquement.
Et je sors de la chambre en criant, je dis que j'en ai marre, que j'en peux plus, il faut que je m'en aille, je descends les escaliers et j'arrive dans la cuisine, son père est là et il a Marin dans les bras et je lui dis tu fais ce que tu veux avec les enfants, tu restes là, tu restes pas là, tu fais ce que tu veux mais moi je m'en vais. Et donc je m'en vais, je claque la porte de la maison, je monte dans ma voiture. Là, je suis en craquage absolu, en fait. Mais vraiment absolu. Mon crâne explose. Vous n'en pouvez plus. Ah non, c'est un truc... C'est innommable comme sensation. C'est vraiment atroce. Et j'ai l'impression d'être complètement asphyxiée. Il me faut de l'air, au sens propre, quoi. Et j'ai roulé, je sais pas, j'ai dû faire peut-être une vingtaine de kilomètres, comme ça, dans la nuit. Et je me suis arrêtée sur le bord de la route et là, je me suis mise à pleurer. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Et je suis rentrée en plein milieu de la nuit, quoi, vers 4 heures du matin. Qu'est-ce qui vous passe par la tête pendant ces heures, seule, dans votre voiture? Très honnêtement, oui. Je vais m'en aller, je vais changer d'identité. D'accord. Et mes enfants seront mieux sans moi. C'est aussi concret que ça. Ah oui. J'étais arrivée là à un point... Où j'avais pas 36 solutions, en fait, c'était soit je disparaissais, vraiment, soit je remontais. Et je savais très bien que je pouvais pas disparaître, donc la seule option qui restait, c'était remonter. Et il fallait trouver comment faire. Et finalement, c'est la séparation qui va m'amener une partie de la solution, puisque on va passer en garde alternée, et je vais retrouver du temps, seul, vraiment seul. Quelle vertu ça a, immédiatement ? Bah déjà, je dors. Oui. Ça peut paraître dérisoire, hein, mais je dors. Et c'était incroyable de retrouver des nuits qui n'étaient pas coupées. Ça faisait plus de 3 ans que ça n'était pas arrivé. Ah oui. Leur absence était hyper dure. Et j'étais impatiente qu'ils reviennent. Et ils revenaient et ils n'avaient pas passé la porte depuis un quart d'heure que j'avais qu'une envie, c'était qu'ils s'en aillent. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'était horrible. C'était affreux parce que de nouveau, je me sentais de nouveau embarquée dans cette espèce de spirale contradictoire de « je t'aime, mais je te supporte pas ». Je me disais « mais comment on peut sentir ça? C'est pas possible ». Consciente de l'ambivalence de ses sentiments, Julie va enfin prendre du temps pour elle et entamer une thérapie. Pour guérir, elle sait qu'elle va devoir comprendre les raisons de ce rejet. Un long processus nécessaire pour reconstruire une relation saine et équilibrée entre elle et ses enfants. Jessica a choisi d'être accompagnée pour comprendre ce besoin de perfection qu'elle s'imposait en permanence. En 2014, après des mois de fatigue et de crises d'angoisse, elle entame une thérapie. Dès la deuxième séance, la psychothérapeute lui diagnostique un burn-out maternel, un surmenage que Jessica refuse alors d'admettre. Dans un premier temps, mes rendez-vous psy, c'est... Oui, je suis dans le déni de l'origine de mes symptômes. J'accepte pas que ça puisse être que psychologique ou que la fatigue à elle seule puisse expliquer l'état dans lequel je me trouve. C'est impossible que vous, Jessica, oui. la mère parfaite que vous... Et la femme que vous êtes puisse faire un burn-out. Alors, c'est pas que je l'accepte pas. À ce moment-là, la mère parfaite, elle a pris un bon coup dans l'aile et je vacille. Oui, clairement. Et ça, j'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Mm-hmm. Mais je crois qu'à ce moment-là, je ne me donne pas le droit de tomber pour ça. Je suis à la recherche du diagnostic d'une maladie grave parce que j'ai l'impression que si c'est pas un cancer, j'ai pas le droit de me reposer. Qu'un burn-out, c'est invisible. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut prouver. Pourtant, psychologiquement, oui. Ça va pas fort. Ça va pas du tout. Je fais 4, 5, 6 crises d'angoisse par jour avec sensation de mort imminente. Je comprends que je suis dans un tunnel, mais là, je suis dans le noir total. Je vois pas debout à ce tunnel-là. Quoi que je fasse, alors que je travaille à l'extérieur ou que je... j'ai pas le choix. À un moment, la charge de ma famille m'incombe aussi. Donc je dois gérer mes enfants. Donc c'est compliqué de sortir. Je peux pas complètement me dégager de mes responsabilités parentales. Donc du coup, ça met du temps. Je mets à peu près, je pense, un an. Il faut un an de thérapie pour que j'accepte. C'est ça.
Ça correspond aussi 2014-2015. Mmh. C'est le moment où votre couple bat de l'aile. Oui. Bah, disons que la vie qu'on a à ce moment-là tourne autour des enfants et progressivement, de couple, il ne reste plus grand-chose, quoi. Et on finira par décider de se séparer, mais paisiblement. On a réussi notre divorce. Voilà. Leilou est la fille aînée de Jessica. Avant de voir sa mère sombrer dans l'épuisement, elle a été témoin de cette spirale infernale et de ce besoin de contrôle permanent pour montrer en public qu'elle était une bonne mère. Un sourire de façade dont Leilou n'a jamais été dupe. Quand on était chez les gens, ou quand les gens venaient chez nous, là, je sentais qu'il y avait le poids du regard de l'autre. Ah oui, moi, je l'ai toujours... je te l'ai reproché, des fois. Oui, elle me l'a souvent reproché. Même jeune, ouais. Donc, ça pouvait être déstabilisant. Oui. Ouais. Je sentais qu'il y avait une... Il y avait une part, c'était pour... Enfin, ça faisait semblant, et moi, j'aimais pas du tout ça. Ça m'énervait plus que ça me déstabilisait, en fait. Ouais, j'étais pas authentique. Oui, c'est ça. Avec mes enfants, en fait. Je jugeais mes enfants. D'accord. Voilà, ce que tu fais là, c'est mal, ce que tu fais là, c'est bien, ce que tu fais là, tu devrais pas le faire. C'est presque je récitais la bonne phrase au bon oui, moment. Et vous ne les entendiez pas. Pas non, du tout. Pas du tout, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Je pouvais avoir tous les livres du monde sur l'éducation. Ce que mes enfants ont retenu de l'éducation que je leur ai donnée, c'est ce que j'ai fait. C'est pas ce que je leur ai dit, c'est pas ce que j'ai mis en place. Et ce que j'ai fait, c'est une dépression, un burn-out. J'ai porté un masque pendant des années. À un moment, est-ce que vous vous décidez à en parler au moins à votre aîné, à Leilou, de ce burn-out maternel? Tu te souviens? Moi, je me rappelle quand tu as commencé à me montrer des gribouillis, des dessins. Ah oui, quand j'ai commencé à dessiner. Tu as commencé à dessiner, tu as commencé à écrire des trucs en... Voilà, du coup, tu avais déjà fait un travail vu que tu avais commencé à en rigoler. Oui, c'est ça. Et moi, je vois vraiment une rupture au moment où, quand mes parents se sont séparés, vraiment, il y a eu une différence énorme vu qu'on avait plus de temps pour discuter. Et là, on a vraiment pu échanger sur le burn-out maternel, sur la maternité, sur la relation avec les enfants. Plein de sujets sur lesquels on ne parlait pas forcément. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien et on s'est vachement rapprochés, en fait. On s'est vachement soudés à la séparation parce que du coup, ça a permis de parler plus. Violette ? Oui ? Tu peux prévenir Gabin et Fantine, vous y allez, vous partez chez papa ? Moi, j'ai franchi des caps à ce moment-là où je dépassais des peurs, notamment la peur d'être une mère qui abandonne ses enfants, parce que je commençais à prendre des temps pour moi qui n'avaient rien à voir avec ma famille. Bye bye. Ciao, ciao. Et ben, en fait, quand je l'ai fait, j'ai découvert que je me suis bien menti pendant toutes ces années, parce que c'est tout le contraire. En fait, je n'ai jamais passé autant de temps de qualité. C'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité que depuis que je m'accorde aussi du temps à moi et que on a des échanges, on a des trucs à se raconter, puis il me manque. J'aurais jamais cru moi que mes enfants me manqueraient. Les enfants, départ pour l'école dans 10 minutes. Anatole, les moon boots. Cerise, clémentine, manteau, bonnet, écharpe, pompote et graines germées dans les cartables. Myrtille, descends s'il te plaît. Départ pour le collège dans 10 minutes. Désormais, non, Jessica tombe le masque et parle de son parcours avec détachement et humour. Anatole, s'il te plaît. Si prendre du temps pour elle a été l'une des clés de la guérison, elle a aussi appris à lâcher prise. C'est au théâtre, en créant un seul en scène sur le burn-out maternel, qu'elle a enfin mis les mots sur cette surcharge de travail et sur toutes les obligations qu'elle s'imposait. Je vous ai allaité jusqu'à 5 ans, soi-disant que le lait maternel, ça rend les enfants plus intelligents. Eh ben mon cul, vous êtes aussi con que si je vous avais élevé au biberon. Alors, avec ce spectacle, Jessica souhaite déculpabiliser les mamans et briser le mythe de la mère parfaite. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, vous aussi ? Oui. Ces textes humoristiques trouvent un écho particulier chez de nombreuses mamans. Je vous laisse passer. Je me suis reconnue, c'est sûr. Et je travaille, en fait, je suis accompagnante en parentalité aussi. Et en fait, je crois que j'ai reconnu beaucoup de mères. Parce que c'est quelque chose qui, je crois, qui est assez universel, en fait. Cette envie de vouloir faire au mieux pour ses enfants. Et de se retrouver parfois la tête comme ça dans le guidon. Et de se dire, ce que j'ai fait, ça va pas. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. J'ai dit ça, j'aurais dû faire autrement. Et de...
ouais, d'être complètement démunie face à ça. Ça, je pense que ça arrive à toutes les mères. Est-ce que voir d'autres mamans qui souffrent à travers le personnage de Jessica, c'est quelque chose qui vous a apaisé, en fait? Est-ce que vous finalement, vous êtes dit, je ne suis pas toute seule Je ne suis pas toute seule, c'était important. Après, de se dire qu'il y en a d'autres qui galèrent, ça fait mal. Moi, ça me fait mal au cœur de me dire, putain, c'est dur quand même qu'on soit toutes dans la même galère et qu'au final, on n'ait pas un vrai soutien entre nous. Parce que je trouve que les mamans entre elles sont très compétitives, jugeantes, oui. En fait. Mmh. On devrait cool. Être solidaires et s'entraider quand on voit qu'il y en a une qui est au bout, dire bah écoute, si tu veux, je te le prends le temps que tu te reposes, ou faire, je sais pas, des petits élans de solidarité plutôt que de toujours dire bah moi en gros je fais mieux que toi, ou c'est dur, je trouve. Puis on a le droit d'avoir des moments de faiblesse, des moments où on lâche prise et puis on n'a pas envie. C'est comme l'instinct maternel, hein. On dit une femme, elle naît avec son instinct maternel, mais c'est faux. En fait, je pense qu'on ne peut pas projeter « je serai telle mère ou telle mère, je vais être comme ci, comme ça », parce qu'en fait, nos enfants nous amènent sur d'autres chemins, en fait. Chaque jour, c'est différent. Il n'y a pas de métier de parent. On peut avoir des envies ou des ambitions, ça ne veut pas dire qu'on arrivera à être celle qu'on s'était projetée. Et généralement, avec le recul, on se dit « je suis peut-être même mieux ». C'est vrai, hein. Des fois, tu te retournes et tu te dis « c'était une grosse tempête, mais je l'ai traversée et j'ai réussi ». C'est vrai. Anatole, t'es Moon Boots. C'est en dessous, hein, par rapport à d'habitude. Non, en fait, ce que tu peux faire, c'est retrouver le côté maman de publicité, tu vois, comme ça, là, qui est un grand sourire aux lèvres. Prendre des cours de théâtre a également permis à Jessica de rencontrer Bruno, ouais, son nouveau compagnon, et père de Camille, son dernier enfant. Pour l'école dans 10 minutes. Anatole, c'est aussi lui qui la met en scène. Grâce à cette pièce, le couple a pu aborder de nombreuses problématiques liées à la parentalité et ainsi ne pas reproduire le même schéma qu'avec les autres enfants. Voilà. Moi, j'ai un souvenir, c'est quand on a voulu résumer le spectacle. C'est là que le terme de burn-out maternel est sorti. Ouais. Le fait d'avoir créé ça, ça m'a permis de mettre la distance nécessaire pour livrer ce qui restait à livrer. Pour vraiment aller jusqu'au profond. C'est ça. Et pour vraiment moi... comprendre. Oui, accepter que moi aussi, j'avais fait un burn-out. Justement, en fait, tous les deux, ouais. Vous avez fini par parler d'un projet d'enfant. Ça ne vous a pas fait peur, à l'un comme à l'autre On en a beaucoup discuté, en fait. Hein, ouais. Ça a été... Le projet d'enfant, c'est aussi nourri des discussions sur l'éducation, sur plein de choses, sur est-ce qu'il va falloir l'allaiter ou pas. Ouais, toutes ces questions sont revenues. Et moi, j'étais flippée. Mais flippée, ouais, ça m'a fait peur. Et puis, j'avais envie d'avoir un enfant avec Bruno. J'avais pas forcément... envie de m'arrêter là, que pour moi la maternité ça se solde par 3 ans de dépression avec des enfants en bas âge. La naissance de Camille, ça m'a permis de me réconcilier aussi, de remettre de la douceur à cet endroit-là, que ce soit pas juste pour moi le souvenir de quelque chose de violent. Mais est-ce que sont venus quand même quelques dilemmes? Ouais, plein. Ouais. Ben plein, ouais, ouais. Les questions sont toujours là, les doutes sont toujours là, il y a de la fatigue. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne résiste plus. Ouais. Je considère la pas... surprise. Ouais, je considère pas que parce qu'un jour, je suis crevée ou Camille pleure beaucoup ou je me dis pas, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal fait. Je me dis juste, bah, c'est un jour comme ça. C'est la couleur de ce jour-là et il y a des jours de toutes les couleurs. Aujourd'hui, Jessica a recréé des liens avec chacun de ses enfants. Consciente du fossé entre la maternité décrite par la société et la réalité, elle s'autorise enfin à être elle-même. Sabrina a, elle, réalisé dès la grossesse qu'elle perd des pieds. Submergée par les fantômes du passé, elle a fini par consulter une psychologue 3 mois avant son accouchement. Une démarche nécessaire pour comprendre l'état dépressif qu'elle traversait et qu'elle ne parvenait pas à surmonter seule.
C'est normal d'être comme ça, c'est des hormones en fait, c'est pas plus. Oui, c'est ça. C'est pas possible. C'est une réaction physique. C'est exactement ça. Ouais. C'est grâce à Nastassia que Sabrina a pu enfin mettre un nom sur ce qui la rongeait depuis qu'elle était enceinte. Une dépression prénatale. Un état émotionnel mêlant souvent tristesse et angoisse et que de nombreuses femmes traversent sans oser en parler. Alors même qu'il est intimement lié à la grossesse et au changement de vie qu'elle implique. Pour toutes les femmes, la période de la grossesse, psychiquement, c'est une période de changement, de réviviscence aussi de toute leur histoire familiale, surtout pour la première grossesse. Et donc, pour certaines femmes, il y a des moments plus ou moins difficiles à gérer dans cette période, qui est une période de fragilité, de vulnérabilité psychique. Et donc, c'est un peu ça qui s'est passé, je pense, pour Sabrina. Et le problème, en fait, c'est que je gardais tout en moi, je n'en parlais à personne. Donc, parce que globalement, quand on est enceinte, on n'est pas malade. Donc, quand on entendait parler ou qu'on en discutait avec les gens, il fallait profiter, que c'était génial. Et en fait, je vivais absolument pas ça, quoi. Donc, du coup, j'avais vraiment cette impression où j'étais bâillonnée, quoi. Donc, je pouvais pas exprimer, en fait, ce mal-être à personne. Donc, je me sentais coupable d'être comme ça. Je me sentais coupable de pas forcément pouvoir le vivre correctement avec mon mari. Les gens me disaient qu'il fallait que je reste calme, que je stresse pas trop pour le bébé, pour son bien-être et tout. Mais je pense que c'est les pires phrases qu'on pouvait me dire, quoi. Donc, parce que j'étais dans un état, en fait, où j'allais pas bien. Et après, en plus de ça, en fait, les gens nous disaient, mais c'est que les hormones. Non, ce n'est pas que les hormones. Donc ça, je l'ai vraiment beaucoup entendu également. Donc je me sentais pas écoutée. On parle beaucoup de la dépression postpartum. Par contre, la dépression prénatale, moins. Pourquoi est-ce qu'elle est plus méconnue? Je pense, comme dit Sabrina très justement, c'est inentendable, je pense, au niveau social, de dire qu'en fait, une grossesse peut amener de la souffrance, des inquiétudes, des angoisses. Donc je pense que c'est, pour les femmes, c'est, en tout cas, déjà, la dépression du postpartum, c'est difficile à reconnaître. Mais alors, avant la grossesse, surtout qu'on se dit que c'était un projet, en plus où c'était vraiment un projet, le fait d'avoir un bébé, et ça décuple la culpabilité de se dire qu'on l'a choisi, qu'on le souhaite, et que finalement on le vit mal. Alors que je pense que ça libérerait, ça ferait tellement de bien de reconnaître qu'il n'y a pas forcément que du positif ou que du négatif, que les deux choses peuvent coexister d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on vit une période très compliquée qu'après on n'investit pas le lien avec son enfant. C'est vraiment un état de souffrance, en fait. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Mmh. Et c'est pas acceptable pour, il me semble, en fait, aujourd'hui, au niveau de la société, quoi. C'est très important de pouvoir faire de la prévention, d'accompagner ces femmes, parce que ça se traite, ça se soigne, ça s'accompagne, ce processus-là. Et du coup, ça pourrait vraiment diminuer. Quels sont les profils des femmes qui peuvent être touchées par cette dépression? Justement, il n'y a pas de profil. Il y a plutôt des facteurs de risque, Alors, dirais. Alors, quels sont les facteurs de risque, justement? Les facteurs de risque, c'est déjà d'avoir fait une dépression dans sa vie. Ça peut être aussi d'avoir des parcours de vie et d'avoir vécu des traumatismes dans l'enfance, plus ou moins violents, des abus. Et c'est souvent des événements qui ressurgissent au moment de la grossesse. Ça peut être l'isolement. Ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être de la précarité. Nous, on a aussi beaucoup de patientes migrantes, ça peut être une migration traumatique. Oui. Et ça, c'est vraiment des facteurs de risque. Comment déconstruire les croyances pour ces femmes enceintes aujourd'hui qui nous regardent et qui se mettent une pression énorme d'être absolument parfaites? Je pense qu'il faut surtout déculpabiliser, ouais. Déjà de pouvoir reconnaître ses émotions. Et c'est pas parce qu'il y a cette image de femme, au contraire, très forte et un peu invincible du fait d'être enceinte, c'est un peu l'inverse. En tout cas, psychiquement, c'est l'inverse. Et que l'important, c'est juste d'en faire quelque chose. De pouvoir pas rester seule, de pouvoir le partager et de pouvoir le traverser quelque part. On a le droit d'être femme, d'avoir envie d'avoir des enfants et de détester d'être enceinte. Je pense que ça, c'est très important. Ça, je pense que toute femme qui a été enceinte sait très bien que ce qu'on appelle les petits désagréments de grossesse, c'est pénible. Et c'est que ça soit mental ou physique, c'est pas des petits désagréments de grossesse. C'est compliqué. Y a un papa ? Allez, on y va ? Ah non ? En posant un diagnostic sur son état psychique, Sabrina a appris à déculpabiliser et à mieux vivre sa grossesse. Viens, on fait le toboggan. Allez, bibendum. 1, 2. Si elle s'est sentie plus sereine à l'approche de son accouchement, elle a de nouveau vécu un traumatisme 2 semaines avant le terme. Après 3 jours de contraction et de travail intense, Sabrina a fait une hémorragie où elle s'est sentie mourir.
un événement choquant qui a conditionné sa rencontre avec son fils. Pour moi, c'était interminable, donc du coup, j'avais l'impression d'être au fond du trou, quoi. Mais hein, quand on regarde les émissions télévisées sur les accouchements, on vous montre que les choses parfaites. Oui, on montre jamais, donc, en fait, quand ça dégénère, quoi. Voilà, avec la canicule. Et encore, quand les gens ils nous disent, ouais, c'est le plus beau truc au monde, oh, c'est magnifique de ma vie. Mais alors, moi, j'étais en mode, mais une bande de tarés, quoi, donc vous êtes fous. Dans les émissions, on voit les papas, les mamans en train de découvrir leur gosse. Il est sur la maman, ils sont en train de partager un moment, quoi. Enfin, moi, c'était juste pas du tout le cas. Donc, étiez épuisée, le soir. Moi, j'étais épuisée, j'avais l'impression que j'étais en train de rejoindre un autre monde. Jonathan, vous avez eu peur de perdre votre femme. Bah oui. Après l'accouchement, Sabrina elle a eu un blackout de 1 heure. Pendant 1 heure, elle n'était plus là. Mais quand je dis plus là, c'est... Elle était partie. Pendant plus d'une bonne demi-heure, ils ont pratiqué un massage cardiaque assez costaud. Mmh. Elle pouvait à peine bouger. Les premiers bains d'Elijah, ou même le tenir, elle ne le pouvait pas. Je me sentais vraiment trop faible pour pouvoir l'allaiter. Et je me sentais surtout pas prête, en fait, à l'avoir dans mes bras, quoi. Je voulais pas. Je voulais pas le voir, en fait. Donc, Vous ne vouliez pas le voir? Non. Pourquoi ça? Il y a quelque chose qui ne connecte pas Non, en fait, je ne sais pas. J'avais pas envie. Vous n'avez pas été submergé par cette vague d'amour dont on parle? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Et franchement, j'ai vécu 9 mois, c'était horrible. Ensuite, j'ai vécu un accouchement, c'était cauchemardesque. Non, mais franchement, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un pour qui on a tellement souffert, quoi? En une fraction de seconde, j'y crois pas. C'est pas possible, en fait. Quelle a été la réaction du corps médical, des sages-femmes par rapport au fait que vous ne manifestiez pas justement cet amour, cette envie de prendre votre fils dans vos bras? Ils ont été hyper rassurants. Ils m'ont dit de prendre mon temps, que ça viendra. La gynécologue qui m'a accouchée, pareil, elle est passée me voir, elle m'a dit oui, j'ai eu un accouchement traumatisant, que ça a été difficile, mais que ça reviendra. Donc du coup, en fait, ils ont tous été très bienveillants. Parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent. Peut-être, ouais. Et que c'est quelque chose dont on n'en parle pas. On ne parle pas. Oui, oui, peut-être. La fièvre sera tombée, d'accord. Quand le déclic se fait-il? En fait, il m'a bien fallu, je pense, une semaine. Donc, je ne sais pas comment, en fait, c'est arrivé. Je pense que je venais de l'allaiter ou un truc dans le genre. Et je l'ai regardé. Je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est mon fils, quoi. Comme si vous réalisiez là. Exactement. Et du coup, en fait, je me suis mise à pleurer en mode, mais c'est mon fils, quoi. C'est ma merveille, quoi. C'est vraiment là où je me suis dit, mais en fait, je l'aime, quoi. Ici, mon cœur. L'autobus est dans la rue. Chérie. Et aujourd'hui, on a une espèce de complicité qui est juste indescriptible. Même son père, il ne peut pas la comprendre, en fait. Donc, j'avais besoin de me sentir mieux. Aujourd'hui, au bout de 18 mois de maternité, est-ce que vous avez l'impression d'être plus forte? Ah, complètement, oui. Mm-hmm. Je ne suis pas parfaite, ça, je l'ai bien compris. Ça n'existe pas, mais beaucoup plus forte. Qu'est-ce que vous diriez ce soir à toutes ces... futures mamans, pour les préparer à ce grand événement qu'est la maternité, mais avant, qui passe par 9 mois de grossesse. C'est compliqué. Je pense que franchement, à partir du moment où on ne se sent plus capable de vivre en fait, les choses pleinement, parler, donc n'hésitez pas. Et ne pas avoir peur réellement de partager ses doutes, ouais. De partager ses craintes. Ses craintes. Faut pas avoir peur. Parce que en ne partageant pas, on garde tout pour soi et au final. C'est pas céder. C'est nourrir le tabou qui existe. Ouais. Ouais. Et puis, la grossesse peut très bien se passer comme très mal. On ne sait pas. On ne sait pas. Et l'accouchement, pareil. Pareil. En prenant la parole, Sabrina espère que son histoire sortira de nombreuses femmes de la solitude qu'elle a elle-même affrontée. Cet isolement, Émilie a dû aussi y faire face. Bah, c'est quoi ça?
Après 3 fausses couches et des interventions chirurgicales qui ont mis sa vie en danger, Émilie a envisagé de renoncer à ce deuxième enfant. Repliée sur elle-même, se sentant incomprise et en décalage avec son mari Gaelig, elle a vu son couple vaciller. Dans ma tête, je dirais que c'est pas forcément grand-chose parce que enfin, le corps d'Émilie ne change pas. Et pour un homme, en fait, une grossesse, c'est le ventre qui s'arrondit, enfin, principalement en tout cas. Et c'est vrai que ces choses-là, on n'a pas eu le temps de les voir. Enfin, il n'y a pas eu de modification du corps d'Émilie, donc je n'ai pas pu m'en rendre de vraiment compte. On en a quand même pas mal reparlé depuis et bah, j'avoue que oui, j'étais passé complètement à côté de ce qu'elle pouvait ressentir, de sa souffrance. Oui. Justement, Émilie, c'est une dépression que vous avez faite ? Bah oui, en fait, quand je suis revenue de l'hôpital, je restais dans le lit, j'avais plus envie de rien faire. Je parlais moins. Tu souriais plus. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement souriante. Ouais. Et j'arrivais plus à la faire sourire, la faire rire. Ça, c'était très très dur à vivre en tant qu'homme, en tant que mari. Mm-hmm. Enfin, moi, en tout cas, dans ce que j'arrivais à sortir, c'était que de la colère, en fait. Mm-hmm. Est-ce que ces fausses couches ont eu un impact sur votre vie de couple, votre vie sexuelle? Si, c'est vrai que c'est moins spontané en fait comme relation. Et on tombe plus dans le côté médical, enfin pas médical mais physique, où la conception d'un bébé passe par une relation intime et du coup c'est vrai que c'était plus spontané en fait. Ouais. Alors, il y a cette troisième fausse couche. Mmh. Il y a ces complications physiques, cette hémorragie que vous faites. Cette hémorragie-là, moi, qui me fait prendre conscience que déjà, je peux la perdre. J'ai vraiment pris conscience du danger que ça devenait d'essayer de mettre un enfant au monde. Mm-hmm. C'était plus... concret. C'était plus concret, c'était moins psychologique. Mm-hmm. Et du coup, oui, à partir de ce moment-là, clairement, j'appréhendais ces contacts avec Émilie, j'appréhendais de la faire souffrir, ou pire. Mais tu ne l'as pas verbalisé, ça ? Du tout. Non. Moi, je ne savais pas. Alors, à partir de cette troisième fausse couche, vous décidez que c'en est assez. Hein. Qu'est-ce qui va vous mener à tenter autre chose ? Moi, j'ai besoin de comprendre, en fait. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, ce que j'ai fait de mal, pourquoi on a eu Agathe aussi facilement et pourquoi, comme ça, d'un coup, tout s'est compliqué pour nous. Donc voilà, je fais tous les examens nécessaires pour comprendre. Alors, les résultats vous amènent quoi ? En fait, on apprend que j'ai une anomalie génétique. Donc j'ai dû en parler à mes parents, qui ont eux-mêmes fait les tests génétiques. Donc on a su que ça venait de mon père, et donc ensuite c'est remonté avec ses frères et sœurs et sa maman. Et en fait, finalement, ça a aussi donné du sens à tout ça, puisque ma grand-mère, elle a compris à 90 ans pourquoi elle avait fait 3 fausses couches dans sa vie. Et ça l'a émue en fait. Alors, elle s'est culpabilisée, elle m'a dit « Oh, je suis désolée ma petite fille, c'est moi qui t'ai refilé cette mauvaise chose ». Mais à côté de ça, elle a compris que c'était pas de sa faute à elle aussi. Et moi, ça m'a plu, si je peux dire, parce que ça donnait un sens à mon parcours. Et voilà. Ça vous a déculpabilisé ? Ça m'a déculpabilisé, puis ça a créé un lien fort avec ma grand-mère. On a parlé de ça toutes les deux. C'était comme si mes blessures pouvaient commencer à cicatriser, en fait. Mmh, mmh. Fais attention dans les marches. On descend. On va aller s'arrêter au passage piéton. Si ces analyses ont permis de comprendre la vraie nature du problème, elles ont également redonné l'espoir à Émilie et Gaelig d'avoir un deuxième enfant grâce à une FIV DPI. Tu vas répéter tout ce que dit papa comme ça ? Une fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire. Qu'est-ce qu'il faut faire là en premier ? Qu'est-ce qu'il faut faire, Antoine ? Pour le couple, ce nouveau protocole a duré encore un an avant d'aboutir à une nouvelle grossesse.
Cette fois, la future maman se sent enfin accompagnée par le corps médical et à 35 ans, elle est prête à accueillir ce deuxième enfant. Voilà. On attendait avec impatience l'échographie du premier trimestre, vraiment la fin du premier trimestre, là où on officialise la grossesse. Là, dans la salle d'attente, moi, je me souviens très bien, j'avais envie de partir en courant. J'étais pas bien, puis il y avait tous les souvenirs des échographies qui remontaient. Et très vite, en fait, très vite, elle m'a rassurée, elle a dit, tout va bien, le cœur bat. Ouais, c'était... Là, c'était des larmes, mais plutôt de joie. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'était chouette. Et donc... Bon, on a attendu, nous, de se faire à l'idée. On ne l'a pas encore dit tout de suite. Là, vraiment, on a vraiment pris des précautions. Et la première à qui on l'a annoncé, c'était Agathe. Alors, je t'explique. En fait, avec papa, on t'a préparé un petit jeu de lecture parce qu'on veut faire un petit film pour montrer comment tu lis. Donc, tu vas avoir des petites étiquettes ici à regarder. Et il va falloir que tu trouves, que tu mettes à chaque fois sur le truc à quoi elle correspond. Et je lui ai dit, là, il y a un dernier mot qui est déjà à sa place. Et donc, on avait mis le mot bébé sur mon ventre. Bébé. On a envoyé ce film-là à nos proches. J'ai des copines au départ qui se sont dit, c'est vraiment pas marrant les vacances avec une maman orthophoniste qui fait lire son enfant en vacances. Et bon, après, quand elles ont vu la fin du film... Ouais, elles étaient contentes. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Trop cool. Est-ce que vous comprenez que les fausses couches soient encore tabous? C'est dommage, en fait, que ce soit encore comme ça. Après, j'ai le sentiment que les choses bougent un peu. Par exemple, alors c'est un autre sujet, mais sur l'endométriose, je sais qu'il y a beaucoup de libération de la parole en ce moment. Je trouve qu'il y a plein de choses qui bougent en ce moment autour de tout ce qui touche à la femme et de tous les sujets qui étaient un peu tabous sur l'accouchement, tous les vécus qui peuvent être compliqués pour les femmes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore trop entendu de choses sur les fausses couches, mais je pense que ça a fait son chemin tout ça et j'ai bon espoir pour la suite. Moi. Ouais, toi, vas-y. Non, c'est moi le dire. Bah, t'as dit papa chat. Ouais, pichon. À moi le dire. Oh, je t'écrase. Oui. Antoine est né en janvier 2018. Même si Émilie reste très marquée par la violence de l'intervention qu'elle a subie, l'arrivée de son fils est venue mettre fin à des années de culpabilité. Ah ouais, et moi, j'ai pas dit après Agathe. Mais si, t'as dit. Non. Bon, vas-y, commence c'est ici. C'est toi qui as dit Lico. Commence ici. Tu veux dire quoi? Pour comprendre le violent rejet de ses deux enfants, Julie a démarré une thérapie qui lui a permis de mettre un mot sur ses émotions très fortes et ambivalentes, l'hypersensibilité. En se documentant dans de nombreux ouvrages, elle a également compris les mécanismes qui l'ont conduit à se détacher de ses enfants. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je le lis une fois par an, ce livre, parce que ça me permet de mesurer le chemin, la progression. D'accord. Et chaque année, je me rends mieux compte de comment mes comportements hérités s'éloigne de moi. D'accord. Et comment je retrouve plus que je suis vraiment. En fait. J'allais vous demander justement ce que vous aviez appris de vous en vous plongeant dans ces livres. J'ai appris que j'avais certaines blessures qui me rendaient sans doute assez insupportable par le passé. C'est-à-dire pour moi-même et pour les autres, très contrôlante, très angoissée aussi sur le regard des autres. Donc j'adoptais des comportements. J'étais par exemple très perfectionniste, comme je me critiquais en fait intérieurement tout le temps. Je ne pouvais pas ensuite restituer une image positive et bienveillante aux gens autour de moi, ce n'était pas possible. Et donc tous ces livres-là, ils m'ont permis de faire le point vraiment sur mes valeurs. Qu'est-ce qui était important pour moi dans la vie? Pourquoi je voulais avoir telle relation avec mes enfants? Parce qu'en fait, ce rejet-là, ce n'était pas un problème ni d'amour de mes enfants, ni quoi. C'était un problème de moi avec moi. Les choses se sont rétablies petit à petit, au fur et à mesure que je m'occupais de moi-même.
Vous utilisez des livres pour enfants, pour leur faire passer certains messages? Oui, c'est plutôt comme ça en ce moment. Et il y en avait un qu'ils aimaient beaucoup qui s'appelait « Vous êtes tous mes préférés ». Et celui-là, c'était l'histoire d'un papa ours qui a plusieurs enfants. Et chaque enfant se demande si le papa, il préfère pas quand même mon frère parce qu'il a telle qualité et puis moi, je l'ai pas et tout. Et je sais que Lou m'a souvent demandé si je préférais Marin. Donc c'est bien qu'elle avait compris qu'il se passait quelque chose. Et donc c'était important pour moi de lui expliquer qu'il y avait des choses difficiles, mais que ça ne voulait pas dire que je préférais Marin. Donc, en lisant ces livres, vos enfants vous livrent certains messages? Oui, et puis ils trouvent des réponses aussi. Aujourd'hui, Julie a la garde de ses deux enfants une semaine sur deux. Elle profite pleinement de ses moments en famille et a réussi à rétablir le lien avec son fils, mais aussi avec sa fille. Salut tout le monde, c'est Julie. Alors, je suis en direct aujourd'hui dans le groupe. Je reste pas longtemps, c'est juste pour vous faire une petite précision sur ce qui va se passer dans l'atelier de communication bienveillante que je vais organiser cet après-midi. Donc, si elle a choisi de participer à ce film seul, c'est parce qu'à 8 ans et 5 ans, ils ne sont pas encore pleinement conscients de ce qu'il s'est passé. Elle souhaite encore les épargner, mais elle n'hésite pas à raconter son histoire sur un blog avec la volonté de décomplexer les mamans qui ressentiraient la même chose. J'ai écrit certains textes sur cette période-là, du rejet, et les retours des gens étaient fous. Ben déjà, en fait, c'est ce qui m'a fait comprendre en fait, que j'étais pas du tout toute seule. C'est que je publiais ça, et puis c'était une déferlante de commentaires. C'était 50, 100, 150 commentaires en 24 heures. Et du coup, moi, à mon petit niveau, ben, si je peux contribuer à faire en sorte que ces femmes-là soient soulagées, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le moyen, en fait, hein, c'est hyper important, parce que... On vous écrit, donc, dites-moi, en fait, ce sont des extraits de ce blog? Oui, ben justement, ça, c'est un commentaire, en fait, qui me pose des questions assez intéressantes, qui a contribué, d'ailleurs, maintenant que je l'ai sous les yeux, à ce que je me pose aussi moi-même ces questions-là. Et elle me dit, est-ce le co-allaitement qui te met dans cette situation? N'y aurait-il pas un manque, un déséquilibre, quelque chose de nécessaire à ton bien-être et à ton épanouissement? Ça m'est arrivé de ressentir cette colère vis-à-vis de mon aîné, que je n'allaitais pourtant plus lorsque la seconde est arrivée. C'est grâce à un long travail que je me suis aperçue que ce que je ressentais était surtout l'expression d'une grande frustration, d'un manque cruel de réponse à mes propres besoins. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Je pense que tout ça, c'est la résultante d'une immense méconnaissance de moi-même. Entrez, ça va? Oui, et toi? Ça va, merci. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à la posture de l'écoutant. Pour prolonger le travail amorcé dans son blog parental, Julie pratique également du coaching collectif. Physiquement, vous allez chacune tirer un papier qui sera votre posture d'écoute. Elle accompagne des mères de famille dans des programmes de communication bienveillante. Surtout en ce moment avec mon fils, mon deuxième, qui a 10 ans. Est-ce que ce type d'atelier, Camille et Céline, vous a apporté quelque chose dans votre rôle de mère? Oui, complètement. Parce qu'en fait, je trouve ça très enrichissant, ce côté pratique et partage. Oui, moi, ça m'a permis de prendre du recul aussi et de me mettre à la position de mes enfants. C'est pareil, j'ai commencé ça quand mon fils est né, avait 4 ans, donc ça doit être un âge un petit peu tendu. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, oui, sur... ça paraît évident quand on le dit, mais quand on le vit un peu moins, en fait, il a ses propres émotions, sa propre vision des choses, et je peux pas lui imposer tout comme ça. Et il a juste à dire oui, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. En fait, aucun parent n'est parfait, et des erreurs, on en fait tout le temps. Mais la différence entre un parent imparfait et un autre parent imparfait, c'est qu'il y en a un peut-être qui ne va jamais reconnaître qu'il a mal fait ou qu'il a fait quelque chose qui a pu nuire à son enfant. Et puis il y a l'autre qui va dire « là, il ne fallait vraiment pas faire ça ». Et qui va essayer de trouver des solutions et d'analyser pourquoi et de faire mieux après. Ce n'est pas que de leur faute si des fois ça craint à la maison. C'est des fois aussi parce qu'on fait des mauvais choix, qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour eux ni pour nous. On parle dans ce film de rejet maternel, de dépression postpartum, mais tout ça reste tout de même très confidentiel, encore trop confidentiel pour vous? Oui.
Moi, je pense, oui, vraiment. Il y a encore une image de la maternité qui est présentée comme quelque chose de merveilleux et un grand bonheur. Et c'est le cas. Mais ce n'est pas que ça. Et je pense qu'on n'est pas du tout préparé, même pendant tout au long de la grossesse, sur le fait que tout ne va pas être rose, qu'il va falloir s'apprivoiser, qu'on est dans de l'humain aussi, que ça peut faire ressortir aussi plein de choses de notre enfance. Et c'est dommage. Et c'est très bien qu'il y ait des personnes qui, effectivement, comme Julie, témoignent de ces difficultés qu'on peut rencontrer autour de la maternité. Il y a des mythes dans la maternité, autour de l'épanouissement, autour du bonheur. Et puis, ce mythe, il est renforcé par la proportion de plus en plus importante de personnes qui ne parviennent pas à avoir des enfants. Souvent, le retour qu'on a, quand on dit « mais tu te rends pas compte comme c'est dur pour moi d'être parent », je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit « oui, enfin bon, toi au moins, t'as la chance d'en avoir ». Ok, donc du coup, j'ai la chance d'en avoir, donc ça annule toutes les difficultés. Et du coup, ça rajoute un interdit par rapport à ça, parce que du coup, on impose une échelle de la douleur. Mmh. Les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants souffrent forcément plus que moi qui rejette ma fille, par exemple. Et en fait, il y a une injonction au bonheur maternel parce qu'il y a d'autres gens qui n'y ont pas accès. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de faire ces ateliers ? La guérison. Aussi brute que ça. Maintenant, s'il faut que je demande de l'aide, je sais le faire. Mmh. Maintenant, au moindre signal d'alerte, je vais demander de l'espace, je vais demander de la liberté, je vais demander de l'air, je vais demander du repos. Et mes enfants sont tout à fait capables d'entendre ça. En s'affranchissant des représentations de la maternité, Julie, Sabrina, Jessica et Émilie sont devenues des mères libres d'être elles-mêmes. Avec franchise et courage, elles se délestent de la pression sociale et remettent en cause une vision idéalisée et cloisonnée de la grossesse et de la maternité. En prenant la parole aujourd'hui, elles espèrent donner une image plus lucide et moins culpabilisante aux mères et aux futures générations.